You look lonely. I can fix that. Uta takar shwadam. Saila takar sparcha hawinja laja. Sishayu tinsaim shaja. Tinsaim takar spakwe pacha dachai. Warbeti buha dachai. Eh bien, salut à toutes et à tous, la même compagnie. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Ici Takar, le maître des bêtes. J'espère que vous allez bien. Franchement, toujours une régalade ces petites introductions qui permettent de se rappeler un petit peu, voilà, ce qui s'est passé dernièrement. Voilà, troisième épisode de notre incroyable aventure, évidemment, sur Far Cry Primal. Hop, ça c'est pour Bibi, c'est pour moi-même. Merci, bonsoir. Donc, notre magnifique Lou, voilà, qui est avec nous, ça fait plaisir. On a également un hibou et on pourra même apprivoiser d'autres animaux au fur et à mesure de l'aventure. Dans cette cage de récompense, tiens, qu'est-ce qu'on a, des nouveaux trucs ou pas? J'ai pas bien l'impression. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous invite à vous installer confortablement, comme d'habitude, hein, de prendre à boire et à manger, et puis de lâcher le petit like qui fait plaisir. C'est évidemment la récompense. J'ai 20 morceaux de viande sur moi, c'est incroyable. Voilà, on va en faire des appâts. Ce sera très utile justement pour apprivoiser les animaux. Alors, on a un lieu inconnu ici. Bon, ici on... Alors, oh là, il y a aussi un lieu inconnu là-haut. Bon, à mon avis, voilà, on a de quoi faire. Il faudrait retourner voir Saïla, la cueilleuse. On a même Tensai, le chaman, du coup, qui est dans notre village. Donc on pourrait y aller. Moi, j'ai presque envie de continuer de me balader encore un tout petit peu et de me rapprocher peut-être de celui-ci là, le bûcher de vieille, de veille pierre. J'aimerais bien, ce serait pas mal en vrai. En vrai, ce serait pas mal. On a même un feu de camp là-bas qui nous permettrait de nous déplacer rapidement. Et bien on va aller là, à ce lieu inconnu, puis au point d'interrogation, et après seulement on continuera notre quête principale. Enfin, nos quêtes principales. Voilà, on va quand même essayer de prendre notre temps parce que je sens, je sais pas pourquoi, que l'aventure va pas être longue. En vrai de vrai, je me trompe peut-être, et tant mieux si je me trompe. Mais c'est vraiment, je sens qu'on va se régaler et j'ai pas envie que ça dure 10 épisodes. Vraiment, j'ai envie que ça dure longtemps et qu'on se régale, par exemple. Qu'on se régale. Ah, bon bah voilà, c'est ça le problème, c'est que mon loup les attaque direct. Attendez, je sors le couteau. Viens voir. Bon, lui il s'en occupe. Bon bah ils sont tous morts. Ah non! Fous-moi la grappe! Non! Ça devait pas se passer comme ça. Ça ne devait pas se passer comme ça. Eh bien mon loup est mort. Voilà, ça ne devait pas se passer comme ça. Voilà! Arrête! Arrête! Tu prends feu, c'est dommage. Hop là, l'esquive! Paf! Arrête! Je vais m'en sortir! Je vais pas m'en sortir. Voilà, c'est le début d'épisode qui fait plaisir. Et je respawn ici, d'accord, très bien. C'est vraiment nul. C'est vraiment nul. Et mon loup est mort. Alors c'est pas grave. C'est pas grave parce que je peux, eh bien, le réanimer, je crois. Rappeler la bête. Voilà, ça coûte que dalle. Si, je crois que ça coûte de la viande. C'est pas grave. Mais c'est vrai que j'aurais même pas dû le rappeler en fait. Le problème, c'est que ça me... Voilà, c'était ma crainte dans le dernier épisode, c'est que ça me crame en fait. Toutes mes infiltrations. C'est-à-dire qu'avec lui, je peux pas être discret. Viens là. Comment je fais? Moi, j'aimerais que tu partes en fait, par exemple. Comment je peux faire? Comment je peux faire? Il est pas discret, ce con. Il est pas discret. Il y a des animaux là, hein. Ils sont plus là, c'est bon. Bon, moi non plus, je suis pas discret non plus, mais quand même, c'est lui qui a attaqué en premier, hein. C'est lui qui a attaqué en premier. Hop, on va longer les crêtes. Ah. C'est quoi ça? Je me rapproche de mon écran. Ce sont des chèvres. Ce sont des chèvres. Impeccable. J'adore les chèvres. Allez. De retour ici. What? Ah ouais. Eh bien, me voilà empoisonné par un serpent. Alors là, je l'ai pas vu venir. Je n'ai pas d'antidote. Alors, est-ce que je vais mourir ou pas?
Ce serait bien que non. Non mais arrête frère, c'est bon là, ça devient crétin là. Ça devient crétin là. Oh je peux même pas m'enfuir. Je peux même pas m'enfuir. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Viens là mon loup. Viens là mon loup. Te laisse pas impressionner par cet ours. Voilà. Oh j'ai cru que les chèvres elles allaient se jeter dans le vide. Allez, bon on va essayer de... Ah bah voilà, on va pouvoir descendre par là, c'est bon. Ah c'est pas évident hein. Là ça y est, on commence à rentrer dans le vrai hein, on commence à rentrer dans la vraie aventure. Ah mais là je peux pas descendre, purée, mais comment veux-tu? J'ai pas de wing suit, j'ai rien. Bon écoutez, tant pis, c'est malheureux mais c'est pas grave. On va faire un déplacement rapide ici. C'est pas comme ça que j'imaginais la chose. Mais on peut pas y faire grand chose, voilà. Et en plus le soleil se couche. Et ça c'est pénible parce que quand tu fais un déplacement rapide, non seulement ça te demande de la viande, ça te demande également du temps. C'est-à-dire que le temps passe en fait. Alors c'est bien fait du coup, parce que souvenez-vous sur Far Cry 3 et 4, il me semble que quand on se téléportait, on faisait des voyages rapides, ça ne faisait pas passer le temps. Il me semble. Alors c'était pas non plus forcément cheaté, mais il faut le savoir. Voilà, il faut le savoir. Et là ça change totalement l'aspect. C'est voilà, c'est quelque chose à prendre en compte. Alors là on va passer sur ce tronc, c'est magnifique. Oh là. Oh là. Débrouillez-vous hein. Oh non. Alors là je viens de me faire super mal. Tout en douceur en même temps, c'est incroyable. Bon allez, on continue là, je sais pas ce qui se passe. C'est pas mon problème. On avance, on s'élance. Déjà que on n'est pas sur l'histoire principale. On va pas commencer à déconner là, à tergiverser dans tous les sens. Voilà, on va un petit peu explorer par ici. Pas te mentir que je suis pas forcément serein avec le soleil qui se couche. Hein. Peut-être pas la meilleure des idées, mais bon. C'est quoi ça? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Monsieur, bonjour. Aidez les Wenja. Des pluies torrentielles ont inondé les huttes. Vous devez aider votre peuple à se réfugier en hauteur. On fera ça après, t'inquiète mon pote. On fera ça plus tard quand il fera jour. Là, on va juste se concentrer là-haut pour se faire un petit checkpoint. Ce sera déjà pas mal. Et ce serait bien qu'on y arrive. Ou alors là... Là, j'ai failli me faire cramer en beauté. Donc là-haut, il y a du people. Là-haut, il y a du people. Je vais envoyer mon hibou. J'y pensais plus à ce fameux hibou. Voilà. Allez, scanne-moi tout ce qu'il y a à scanner, là. Il n'y a que dalle. Ah, ils sont là. Il y en a quatre. Il y en a deux qui dorment, deux qui patrouillent. On a une grotte. Et on a du cadavre. Très bien. Oh, je te sens bien énervé. Oh, je te sens bien énervé. Alors. Hop. Grotte chuchotante. Très bien. Pourquoi il a perdu de la santé lui? Commence pas à attaquer tout le monde là. C'est ça son problème, il attaque tout le monde. Moi je veux que tu attaques ce que je veux que tu attaques. Ils sont où les ennemis là? Bon là je comprends plus rien là, feu de camp. Ah mais il est plus haut le feu de camp, mais je me suis fait arnaquer là. Qu'est-ce qui t'arrive là? Bon toi... Oh je sais! Attends! Tiens! Oh je les avais pas vus. Allez, toi tu meurs. Là ça commence à suffire, ça suffit. Mort! Et... Mort! Là ça commence à bien faire. Le dos est mort aussi je crois. Même pas. Tiens.
Je lui envoie un appât. Je lui envoie un appât. Je m'approche doucement. Et on va essayer de l'apprivoiser. Tout doux la bête. Tout doux la bête. Tout doux. Et voilà. T'es à moi maintenant. Voilà, on vient d'improviser un dôle. Et on va vite voir ce qu'il y a ici. Par contre, il se passe des dingueries là. Il se passe des dingueries. Bon, mon loup est mort là, je comprends rien à ce qui se passe. Il se passe trop de choses en même temps, c'est incroyable. Ah! Dégagez-vous, hein. Bonjour monsieur. Dégage! Sortez! Oh, il est mort? Oh, ça c'est triste. Ça. Dégage! Tu dégages! Oh! Je peux apprivoiser cette bête. Oh, ça fait peur. Attends, je vais essayer de le réanimer lui. Voilà. Allez, viens. Viens mon gars. On va se mettre à l'abri. Voilà. Bon. On en était où là? On en était où? Mais il a des pop aussi. Ouais, alors ça par contre voilà. Vous remarquerez quand même que ça despawn, ça respawn, c'est un peu pénible. Et il y a rien ici là? Ou il y a quelque chose sous l'eau peut-être? Non, il y a rien. C'est juste une grotte chuchotante. C'est-à-dire que ça chuchote et tout, c'est génial. Y a rien sous l'eau. En vrai, je... Oh! Reviens! Et voilà, je t'ai brûlé en plus. Touché. Bah, c'est un... Mais c'est mon dôle, ça. C'est pas mon loup, ça. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Disponible. Ah oui, maintenant c'est mon dôle. Ok, ouais, j'ai mon dôle, mais pas mon loup blanc, ouais, d'accord. Ah, c'est pas grave si tu meurs du coup. Non, je rigole. Est-ce qu'il y a quelque chose sous l'eau, là? Je regarde parce que dans le doute, en vrai... Et voilà, j'ai trouvé de la viande. C'est déjà pas mal. Bon. J'aimerais bien essayer de m'aventurer la nuit, c'est stylé. Oula. Oh, ou peut-être que c'est peut-être pas le bon bail. Ouais, faut... Ah ouais, ouais, ouais. C'est en train de manger les cadavres et tout. Bon, bah c'est pas grave. On va refaire un TP en arrière. Les gars, avant de continuer la quête principale, je veux absolument faire ce fameux checkpoint. Donc, c'est pas grave. On y va avec prudence. On y va lentement, les amis, mais sûrement. Et c'est le plus important. Et on contemple. Et c'est que du bonheur. Mais c'est vrai que là, c'est un petit peu difficile. Puis il faut reprendre la main à chaque fois, c'est compliqué. Mais ça va le faire. Et on peut se réveiller paisiblement. Et on va s'y rendre à nouveau. On va se dépêcher. On va s'y rendre à nouveau sans aucun problème. Il y a une petite plante verte ici. Donc ça je prends. Putain, on est plus proche de l'objectif principal que de mon truc secondaire là que je veux faire. C'est incroyable. Bon, allez, on va faire un petit peu de luge. Par ici. J'ai entendu un macaque. Je rappelle encore une fois qu'on est à la préhistoire. Oh, vous êtes prêts? Attion! Incroyable. Oh. Alors là, je sais pas par où je passe. C'est encore un autre chemin que je prends. Oh, des éléphants! Bonjour! Un éléphant roi se trompe pas, quoi! D'ailleurs, les amis, je suis imitateur professionnel de Vianney. Je vais comme le Dumbo, je ne fais que voler. Ok. Alors. Je crois que là. Attaque! Dôle contre dôle. Qui va gagner? C'est le mien. Voilà, hein, directement. Attaque! Il a peur, mais c'est pas grave. Vas-y, mon dôle. Défonce-le! Mais non, c'était une chèvre. Ah non, il y avait un dôle à côté. Voilà. Bon, reviens. Ça sert à rien, là. Tu vas aller à l'autre bout de la map. C'est beau. C'est beau. Ça me fascine toujours autant. Putain, il y a des bruits partout.
Fais-toi discret, toi. Hein. Allez, par ici. J'arrive pas encore à reconnaître tous les sons. C'est ça mon petit problème pour le moment. La difficulté du jeu, c'est que je ne connais pas encore tous les sons des animaux, etc. Je sais pas qu'est-ce qui est vraiment quoi. Donc c'est pas évident. Feu de camp, ok. Donc, est-ce qu'il y a du people ou pas? Mais non, que dalle. Ah c'est bon, c'est... Ah y'a rien à faire en fait, c'est chez nous là, ça y est. Ah d'accord, ok, je croyais qu'ils font... ok. Allez, on va allumer le petit feu, comme ça c'est fait. C'est sympa, ça permet d'être un peu safe. Hop. Et voilà, donc maintenant on a un nouveau point de téléportation. Non, point de réapparition. Le mec n'a rien compris au jeu. Hein. Esprit totem. Les totems remercient les esprits en cas de chasse fructueuse et pour leur protection. Suivez votre collection sur la paroi de votre grotte. C'est qu'il y a énormément de choses. Bon, moi c'est ça qui va m'intéresser du coup. Hein, donc on va aller par là-bas. On se fait ce bûcher, donc qui nous fera un point de TP. Et après, on pourra retourner à notre village, messieurs, dames, bien sûr. Pas de problème à ce niveau-là. Allez! Perdons pas de temps. Bonjour. C'est par ici, bien sûr. Allez, viens, mon petit doll. J'essaie de l'attirer parce qu'il va se mettre dans des embrouilles encore. On va descendre en contrebas. Ce sera bien plus sympa. Pas forcément plus calme. Ah, le petit sanglier en vrai là. Ah ouais, par contre il charge direct lui. Pop. Ah. Attaque. Allez mon doule. Ah. Ah ouais d'accord. Et les ours c'est une tannée ça. C'est une tannée hein. Ah attendez, tant que j'y suis là. Qu'est-ce qui se passe là? Clairière oubliée. Tant qu'on y est. Tant qu'on y est. Alors. Mais non. Ah! Ah ouais d'accord. Ouais. Ah ouais d'accord. Ouais. Et si je vais dans l'eau, il va dans l'eau ou pas? Aide-moi toi! Vas-y aide-moi! Mais attaque-le! Mais frère, il sert à rien mon... Ah ouais, c'est chaud! Je peux même pas monter sur la... Oh si! Allez! Oh là 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 là! Arrête! Ouais, mais c'est insupportable! C'est... insupportable! Et j'ai une anecdote. Mon micro est cassé. Pour aucune raison. MDR, mon micro est cassé, c'est une anecdote de zinzin ce que je vous raconte. Alors, c'est superbe. Ah ouais. Alors ça c'est un peu embêtant. Comme ça. Oh. Ah bah voilà. Eh bah je l'ai remis, bah c'est superbe. Allez voilà, c'était la... Le... Incroyable. Bon. Non mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe là? On a failli spotted encore là. Mais il y a des méchants partout. Je suis content, mon micro n'est pas cassé finalement. Y a quoi en bas là? Oh mais oui, mais c'est qu'il y a des choses ici là. Ah bah voilà, j'avais un allié mais il est mort. Ah mais on était déjà là tout à l'heure. Oui, c'est la grotte la grotte chuchotante là. D'accord. Oui, vous fâchez pas. Bon, moi je vais aller à ce purée de feu de camp là, si c'était possible. C'est pas facile. Et là, ça commence à devenir dur. Il y a des animaux partout. En vrai, c'est même pas les. Je sais plus comment ils s'appellent là, la tribu là. C'est même pas eux les méchants. Alors d'ailleurs, tu sais quoi? Je vais rappeler mon loup blanc. Lui au moins, il est efficace. Hein. Parce que là, le dôle, il sert à rien. Mais alors, à rien du tout. Par contre, tu feras gaffe, tu te fais courser là. Allez, toi, t'es mort. Et toi, tu dégages. Voilà. Reste là. Reste là. Pas possible, ça, de faire son rebelle comme ça. Bon!
Du coup, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'on va pouvoir avoir le temps de fouiller poudre de roc du sud, feuille mauve? Toi c'est pareil, toi. Maintenant je vous déteste tous là, les... Toutes ces bêtes là, je vous déteste. Dans le jeu bien sûr. Donc je m'occupe de vous sans aucun problème. Hein. Mais alors sans aucun problème. Oh waouh! Esprit totem, d'accord, je viens de placer un esprit totem. Ok. Ah c'est top. Et à la fin j'aurai une récompense alors j'imagine. D'accord. Donc ça va falloir placer ça un peu partout. Bon là manifestement c'est le seul endroit dans cette zone. Grotte de chahut. Il y a tellement de choses mais c'est superbe. Je suis content. Je pensais pas que... En fait moi je pensais que Far Cry Primal... Dégage. Je pensais... Oh putain je vais te goumer. Je sors comment? Bon. Moi je pensais que Far Cry Primal était critiqué parce que... je sais pas moi... Mais en fait c'est super complet hein. C'est un vrai jeu hein. Pardon. Le pire c'est que je l'ai entendu le serpent. Meurs. Avec ton poison là. Et le pire c'est que ça sert à rien. Je peux même pas le... D'accord. Ok. Bon. On va fouiller un peu. Tout ce qu'il y a on récupère. Ça va loulou. Ça va louloute hein. Allez direction le feu de camp là. Ça a une centaine de pas. Là on rush. Clairement. La yak de la chèvre, ça va. On rush, on rush. On s'active le checkpoint et on continue notre aventure. Et bien évidemment. Ok. Pas de panique à bord. Pas de panique à bord. Ils sont où les loulous là? Il est où le gars qui a failli me cramer? Eh, il y a bien un gars qui a failli me cramer là. Ah je l'entends, ils sont là. Les deux zigotos. Il y en a que deux a priori. Très bien. Ah c'est vrai que j'aurais pu demander à mon loup d'attaquer. Alors attends bouge pas. Voilà. Attaque. Là normalement ça devrait pas poser trop de soucis. Ah dommage ça. Voilà bon bah ça c'était pas un problème. Bon il a peur l'autre. Reviens reviens ça sert à rien. S'il a peur et tout, c'est pas la peine. On n'est pas non plus des saloupiaux. Hein. Tuez tous les ennemis et allumez votre bûcher pour vous l'approprier. Voilà, là on commence à avoir un peu plus de challenge. Bon, bah on va pas y aller par quatre chemins non plus. Hein. On va envoyer le coucou. On va spotter tout le monde. On en a trois, visiblement. Eh bien, ce que je te propose, c'est que tu attaques lui. Voilà, pendant ce temps-là... Je vais attaquer lui. Dommage. Dommage. Oh! Pas cool! Voilà! Ça, c'est pas cool ce que t'as fait à mon loulou. Ça va, mon loulou? Oh, t'as mal. Tiens, mange. Mmh. Ah ouais, mon loulou, c'est bon ça. C'est bon ça. Tu l'as bien mérité celle-là. Tu l'as bien mérité. Allez, on perd pas de temps. Comment ça marche hein. Chaque fois j'oublie, c'est incroyable. Hop. Et voilà le travail, messieurs, dames. Ici, c'est chez nous, en fait. Ici, c'est chez nous, en fait. Bûcher de veille pierre. Population Wenja augmentée. 400 XP de récompense. C'est le deuxième sur 16. Bien sûr, revendiqué. 306 XP. Et une téléportation. Et ça, ça fait plaisir. C'est pour ça que je voulais absolument le faire maintenant. Comme ça on est tranquille. Pour la suite. Et je viens de capter un truc parce que regardez, attendez, vous voyez ça, il y en a partout. Et est-ce qu'en vrai, il n'y a pas moyen? Non les gars, si c'est ce que je pense, on va vraiment aller dans le Nether là. Ça va vraiment ouvrir un portail. Non mais on tente, ça se trouve il y a un easter egg, faut faire ça à chaque truc. Parce que... Si c'est le cas, c'est incroyable. Par contre, mais viens mec. T'es en train de brûler là. Mais viens, t'es en train de brûler. Ah ouais, non mais là on peut rien faire hein. Bah meurs du coup, j'ai envie de mourir. Ok, mon loup a envie de mourir, c'est pas grave, il est teubé. Bah ouais mon gars. Ça va mieux? Eh par contre, eh je... Alors ça, je dégage en fait.
Je peux pas sortir. Dégage. Va là-bas là. Ah mais voilà. Je suis con. Ok. Et du coup il se passe quoi? Il se passe rien en fait. Ça sert à rien. Non mais je me suis dit sur un malentendu, ça sert à quelque chose. Sur un malentendu, on pouvait aller dans le Nether. Ok, d'accord. Est-ce qu'on a tout vu là? En vrai, est-ce qu'on a tout vu? Ça m'étonnerait. Hein. Regarde, de la viande. C'est bon ça. Enflammé flèche. C'est bon ça. Voilà, c'est le petit plaisir. Cueille verte. Feuille verte, pardon. Très bien. Là, on a un bel arbre. Et là, on a une belle vue. Ok, bon, vous vous débrouillez entre vous, les copains? Oh, waouh! Ah oui, là, on commence à avoir de certaines belles choses. Là-bas, on a du tapir. On a un feu de camp, d'ailleurs, juste à côté, un avant-poste. Let's go, encore, c'est bon, ça. Lieu inconnu, on a des blaireaux. Alors, les blaireaux, il n'y a pas besoin d'aller si loin pour en trouver, en réalité. Grotte de Hazari, un autre avant-poste ici. Ça a l'air d'être un petit canyon ici, compliqué à atteindre. Là, ça m'a l'air d'être une zone chaude. J'ai très, très hâte. Mais nous, on va retourner dans notre village, messieurs, dames, il est temps, c'est parti, de retrouver notre sœur en priorité. J'appelle ça ma sœur parce que le chaman, bon, il nous aura été très utile justement, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu notre sœur. Donc, voyons voir comment elle va. D'ailleurs, t'es qui toi? Ah, vous êtes les nouveaux, c'est ça? Vous êtes les nouveaux arrivants? Bah, bienvenue en tout cas, ça fait plaisir, je suis très content que vous ayez rejoint notre communauté. Voilà, bienvenue. Je pense qu'elle est là-bas. Ah ouais, mais le village et tout, ça commence à se construire et tout hein. Oh waouh, c'est sérieux tout ça hein. Ah ouais, c'est sincère tout ça. Bon, je vous vole un petit peu vos viandes mais... Et en plus ça fait de la musique et tout. Incroyable, et je peux même pas vous attaquer, c'est bien ça. Ah c'est top. Récupérer. Allez, superbe. J'ai pas de place. Allez. Eh bien, on va aller voir notre sœur. Machi winja guamarsh aguapati pacharsh aish kauha damshamas ulash waishwaida winja cha ti chaya. Ça fait beaucoup de chaya n'empêche. Hein. Votre village est un refuge pour les Wenja. Améliorez les huttes pour débloquer des compétences, des armes et bien plus. Vous trouverez des ressources pour construire des huttes dans toutes les terres d'Oros. Appuyez sur H et consultez les menus village et sac pour en savoir plus. Après avoir rassemblé suffisamment de ressources, allez au village et cherchez les huttes améliorables. Ok. Hutte de Saïla. Eh bien, il me manque une peau de serre pour faire la première amélioration. J'ai trop le seum. Et si j'appuie sur H? C'est le H? Ah bah c'est ça, c'est pour nous montrer l'amélioration. Très bien, je pense que je peux le faire à distance. Et ça... Voilà, on a 16 membres. Et si on est 20, un sac de ressources d'armes et de nourriture sera envoyé dans votre cache de récompense chaque jour. Oh, plus on est nombreux et plus on a des stats qui augmentent et tout, c'est incroyable. Ah ouais, non mais c'est trop cheaté, on a besoin de rien faire presque. D'accord, bah dans ce cas-là, où c'est qu'il y a du cerf? Juste à côté, d'accord. Eh bah écoutez, c'est maintenant, c'est Bibi qui régale. C'est Bibi qui régale, on va un peu explorer le village. Salut les gars. Faites pas genre que vous discutiez hein. Ah trop mignon. Makeba, Makeba, Makekela. Incroyable. Bon bah c'est top. Ça, eh, ça fait du beau monde, ils ont l'air d'être très heureux. Vous êtes prêts à... Yaraguarpati kalha tasa winja Yaguarha guasha palutis warhash. Merci, merci. Bah, tout le monde parle de moi, ouais. Allez, c'est parti. On va s'occuper des cerfs volants, bien sûr. Mais non, ils ne volent pas. Bon, du coup, on a compris qu'on est en zone safe dans le village. Il peut rien nous arriver. Le loup ne peut pas nous accompagner. En tout cas, notre bête ne peut pas nous accompagner. On peut pas avoir d'armes non plus dans le camp. Et là, je peux même pas encore sortir mon arme, hein, c'est pour vous dire. Et là, je peux sortir mon arme. Et là, il y a quelque chose. Parce qu'il y a un butin, là. Il y a un butin mais je vois pas où. Et mon loup arrive. Incroyable. Bon, je comprends pas où est le butin. On va profiter de cette zone paisible. Parce que là c'est vraiment paisible pour le coup. Il peut rien nous arriver en vrai. Alors il nous faut un petit cerf. Oh. Ça régale ça. Il nous faut un petit cerf. Je suis dans la zone. C'est la zone.
Ce qui est bien, c'est qu'on repasse par là, on redécouvre. Parce qu'on a eu la chance d'y être une fois. Mais c'est le brame du cerf en fait, ce bruit, je viens de capter. C'est bon à savoir parce qu'à chaque fois on entend beaucoup ce bruit, mais c'est très paisible. Hein. Ouais, c'est ça, c'est le brame du cerf. Et voilà. Il aura pas souffert en plus. Hein. C'est très important de faire de la chasse éthique, telle que celle que je viens de vous proposer. Paf! Donc ce sont des cerfs que nous entendons. Très très bon à savoir. Et donc maintenant, ça veut dire que je peux l'améliorer là ou pas? Let's go! Ah mais il faut que j'y retourne, salaud va. Eh, tu crois que je vais m'amuser là? Je vais me TP hein. On va pouvoir améliorer la hutte. Et ça, c'est top. Évidemment, regardez, le soleil se couche déjà. Incroyable. Que le temps passe vite. Alors, améliorer. Boum! Régale-moi! Oh là là. Ah bah ça c'est une époque où il en fallait peu pour être heureux. Finalement c'était la meilleure époque. Hut de Sayla améliorée. Récompense, mission pour Sayla la cueilleuse. Compétence de cueilleur, camouflage olfactif. Mais évidemment j'accepte. Mais j'accepte toutes tes récompenses mon ami. Évidemment. Et nous sommes 18 maintenant dans la population. T'es contente? Dijam, urusis majish takar. Udijam, shambi pachi haucha. Hamash pashta. Ah, j'ai même débloqué un point de compétence. Allez, qu'est-ce qu'on a là du coup? Bah là je peux continuer, il me faut de la peau de mammouth. Il faut déjà plus de monde et aussi des roseaux. Donc en vrai il me manquerait juste la peau de mammouth et le reste ça se fera tout seul. Très belle hutte, mais je peux rentrer dans la hutte au moins ou pas? Parce que moi je me casse la tête à vous faire une belle hutte. Je peux même pas rentrer dedans, mais c'est incroyable. Bon bah on va aller voir le chaman alors. On va aller voir le chaman. Ah, s'il le veut bien bien sûr. C'est pas gagné ça hein. Le chaman. Shrash, shrash. Bao shaugas. Winja yisu dijam. Ma samkwai dausa. Ah. Daiwa damshi. Hakrapi shayu kwa yaka. Ok. Tu veux une hutte, la hutte de Tensei? Eh bah écoute, je te la fais direct. Voilà. Voilà, tu me demandes, je fais, hein, y a pas de problème. Ah, oh, c'est magnifique. C'est top. Je sens l'émotion. Et on reprend les récompenses. Let's go. Ah bah c'est top ça. Et on est 20 maintenant dans la population. T'as quelque chose à me dire encore? Guarpati. La gualtushi dahata. Salwa, winja di balti daista. Un sac de ressources d'armes et de nourriture sera envoyé dans votre cache de récompense chaque jour. Let's go. Trop cheaté. Par contre, parlez à Sayla, je vais faire ça direct. Hein. C'est un jeu Rockstar Games ou quoi là? D'aller d'un point A à un point B, d'un point B au point A. Par contre, je voulais dire un truc. Ah bah oui, bah je suis vénéré en fait de la population. Je suis le dieu, j'ai l'impression, de la populace. Bah ça me fait plaisir, je vais pas te mentir qu'on me vénère comme ça. Là, c'est pas tous les jours non plus... que ça arrive. Oh, ils ont fait un pont. Il n'y avait pas ce pont juste avant. C'est génial. Oh, ils sont efficaces ici. Oh là là. Quelle efficacité. Sayla. T'es où, Sayla? Tu t'es caché dans la grotte, petite coquine. Ah, bah voilà. Bah justement, tu vas nous montrer un petit peu tout ce qui est possible ici ou bien? Guarda qua. Je suis vraiment une légende en fait. Shayar Guama Dwayam. Tu sai. Arshi Tachisla. Malshata. Guarpati. Ah, j'aime bien quand tu me la tiens. Ah bah ça fait plaisir en tout cas. Et bah c'est top. Oh waouh.
Le lendemain, village Wenja. T'as, du coup, on a une nouvelle matraque, la matraque des vilains. Des Ouya, je sais plus comment ils s'appellent. On va les atomiser, hein. Parler à Sayla. Putain, mais décidément, mais attends, mais autant dormir ensemble en fait, au point où on en est. Attends, du coup là, village, progression du village, 2 sur 16. Ok. Pour le moment, c'est un peu marqué, voilà, point d'interrogation, on n'en sait pas plus. Ah oui. Voyage terminé. Dans le monde d'Oros. Ah, il y a plusieurs. Oh là là, c'est incroyable. Et ça, c'est quoi? 7% progression générale. Ok, ouais, ça c'est de manière générale. Objet de collection trouvé, lieu important découvert. C'est vraiment les statistiques que t'as dans le menu en fait, échappent quoi. C'est génial d'avoir fait ça comme ça, franchement. Là, on a les bêtes qu'on a trouvées, ainsi que les bêtes qu'on a apprivoisées et les bêtes qu'on a tuées. C'est ouf quoi. C'est ouf. Et comme quoi, on a vraiment vu que dalle encore. Oh là là, finalement, le let's play va durer un bon moment et ça fait plaisir. 3 mains d'Aïcha, ouais, et un esprit totem tout à l'heure. Impeccable. J'adore! Ah, j'espère que vous kiffez, Bobandou. Oh, c'est impressionnant. Je kiffe. Combat au corps à corps. Les gourdins sont des armes rapides qui peuvent frapper plusieurs cibles d'un coup. Je le sais parce que. Bah, j'en ai fait le test avant. Les sagis sont des armes lentes et puissantes qui frappent directement devant vous. Lancez-les pour plus d'efficacité. Maintenez puis relâchez pour effectuer une attaque puissante. Étourdir les ennemis et leur inflige des dégâts élevés. Si vous êtes équipé d'une arme enflammée, vous le brandirez. Ok. Ça marche. Hein. Oula, qu'est-ce qui se passe? Wenja wanta rubacha udam shanti hasa wamasha waikarsh ma wenja chimashita. My marcha sar wenja mana ulaiqua shuta marita. Et là, messieurs, dames, vous venez d'assister au début du fascisme. Oh, la menace qu'on vient de se prendre là! On vient de se prendre un coup de pression là! L'assaut des Houdam! Mais attends, je croyais qu'on était en zone safe! Je croyais qu'on était en zone safe! Hein. Je viens d'envoyer un appât, ça peut nous aider. Paf! Paf! Toi t'es mort. Paf! Attendez, bougez pas. Attendez, bougez pas, gourdin. Mais j'ai pas un gourdin puissant là? Trop le seum. Yalla! Merde, t'es gentil toi. Aïe! Meurs! 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 Voilà le travail, je me soigne. Ok. Loulou! Attaque! Voilà, mon grand! Ça, c'est beau à voir! Ça, c'est beau à voir! Attaque! Voilà! Comment ça, vous quittez la zone de mission? Attends, attends, bouge pas! Je me suis peut-être un peu enflammé en effet là! Ils sont où là? Y'a plus personne, c'est bon! Ah non, ils sont carrément dans le village, les salauds! Ah ouais! Oh, vous venez d'où? Salut! Paf! 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 Ah, je suis empoisonné, ça régale. Ok. Ok, ça revient. Ça revient fort là, ça revient fort. Paf! Dommage. Paf! Ah bah si je mets toutes les balles à côté aussi. Voilà, toi tu laisses mon loup tranquille. Ah non. And his name is John Cena. Voilà. Ah bah dommage. Dommage, il a réussi à claquer son poison. Vivement qu'on ait le remède. Enfin l'antidote. Mais attends, t'es gentil toi. Pardon. Mais pardon. Oh là, attention. Attaque. Ah
Bon bah ça le fait. Pauvre loup. Pauvre loup. Ah ou ah ou. Attends, viens là mon coco. Tiens. Eh, il carie hein. Il carie lui hein. Il carie de ouf hein. Bon bah c'est pas fini hein. C'est pas fini cette histoire. Ça va coco? Ok, tu veux que je détruise leurs arbres d'os quoi? Atteignez le camp Udam. Il est loin leur camp là. C'est le boss final, c'est la fin du jeu ou quoi? Ah non, c'est là. D'accord, ok. Bah écoute, on va y aller. On va les goumer, on va leur faire craindre la puissance du maître des bêtes. C'est moi en fait, le maître des bêtes. C'est pourquoi? Parce que je suis la bête. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Ça va être magnifique ce qui va se passer, vous allez voir. Mais j'avoue que je sens qu'on va prendre cher, voilà. Et là, vous savez quoi? C'est le moment de boire. Alors, comment on fait? Stimulant de vitesse. Voilà. Et là, non seulement j'ai régénéré de la santé, mais en plus, je vais super vite. Et on a la durée en bas à droite. Voilà, donc c'est pas exprimé en secondes, mais ça nous donne à peu près l'idée. Je pense que ça va durer 30 secondes, facile. Plutôt pratique. Ah, mais je suis con, c'est ça que j'aurais dû utiliser pour fuir les ours, en fait. Quel débile. Bon, bah maintenant, je le sais. Allez, on va les goumer. Attends, il y en a sur le chemin là en plus. Attaque. Attaque, attaque. Yala. Voilà. Ah ben voilà. Eh, t'en fais du bruit hein. T'en fais du bruit mon loulou hein. Pas très discret quand même hein. Allez, on y va, on se décourage pas, vas-y mon grand, c'est bien. Ah, tu sens que c'est la guerre hein. Ah, tu sens que c'est la guerre hein. Bon, on va les laisser. Attention, on va les aider quand même. Attendez, on est sur le chemin. Si déjà on est sur le chemin. Alors attends, parce que là non, là il y a un ours, y a un ours dans l'histoire, on va les laisser hein. On va les laisser se démerder entre eux là. Ça c'est pas nos histoires. On va se reconfectionner des flèches. Ouais, parce que faut pas oublier la faune dans l'histoire hein. La faune, elle est à fond hein. Alors là mon pote, pas évident. Pas évident. Bonjour. Je me chie dessus. Allez, par ici, on se fraye un petit chemin. Toujours pas de grappin. Allez, je vous jure, quand on aura le grappin, on va être les rois du pétrole par contre. Hein. Avec le grappin, on pourra sortir de toute situation. Hein. Personne pourra rien nous faire. Hein. Ok, c'est une chèvre. Ni plus ni moins. Ah non, pas du tout. C'était pas du tout une chèvre. Hop. Allez, on arrive au niveau du camp. On va pouvoir envoyer mon hibou. Alors attends, on va l'envoyer maintenant. On va l'envoyer maintenant pour être sûr. Alors. Bon, on entend des loups, mais il n'y en a pas à proximité. Hein. Ah, il est plus haut. Alors, qu'avons-nous là? Très joli étang. Bienvenue au camp Udam. Alors, détruisez tous les arbres d'os et tuez tous les ennemis. Ok. Ça devrait pas être un souci. On a les deux arbres là, on a deux ennemis là quoi. Oh, il y en a bien plus normalement je pense. Puis il y a trois arbres au total, il est où le troisième? Ah si, il y a plus d'ennemis que prévu là quand même. Il est où le troisième arbre? Ah, il est plus loin. 1, 2, 3. Ah oui, voilà, d'accord. Ah, il y a du monde au balcon là, dis-moi. Il y a du monde au balcon, dites-moi. Ok. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va envoyer une bête ici là. Discrétion. Lancer des cailloux. Bah, c'est trop tard, de toute façon, là, je vais me faire cramer.
Non bah reste là, n'attaque pas, c'est pas la peine. Te mets pas dans la galère pour rien. Là en plus on a une belle hauteur. Votre bête ne peut pas atteindre la cible. Reste ici. Détournez l'attention des ennemis en jetant un caillou. Mais j'ai pas besoin, t'inquiète. Lui si je le tue personne ne le saura. Regarde. Voilà. Personne ne le saura. Puis là on est très très bien. Eh bien écoutez, je pensais pas que j'allais descendre j'avoue. Mais bon c'est pas plus mal. Ça va me permettre d'économiser du feu. Voilà. Hop. Voilà. Et de une. Et de deux. Normalement je l'ai eu hein. Même pas. Trop le seum. Hop. Hop. Et là regardez, je vais envoyer un appât ici. Et là je pense que ça peut faire très mal. Toi t'es mort. Pas du tout. Alors là je suis dans la merde. Non. Voilà, toi tu restes en bas. Toi tu restes en bas. Oh, ils sont trop nombreux. Aide-moi gros. Mort. Mort. Ils sont tous morts. Je suis un boss. Mais ça a pas brûlé par contre hein. Ah, ils sont tous morts. Incroyable. Let's go. Oh, et franchement, ça régale. Hein. Ce qui vient de se passer là, c'est une régalade. Hein. C'est juste du kiff. Hein. C'est pour vous. Hein. C'est pour vous tout ce spectacle. Hein. Hop. Hop. Et hop. Merci, bonsoir. Oh, j'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Ah! Oh c'est moche ce que tu viens de prendre là. Ah c'est moche. Voilà. Toi tu montes pas. Voilà. Bon lui il veut pas prendre feu là. C'est impressionnant. Prends feu merde. Depuis tout à l'heure là. Mais non c'est une blague. Voilà. Ah quand ça veut pas, ça veut pas. Ok c'est pas fini. Fais gaffe mec, ils arrivent encore. Ils arrivent encore. Ah je suis en train de prendre feu, très bien. Impeccable. Impeccable. Alors attendez, ça a l'air de se passer là-haut. Ah j'ai compris comment faire pour que mon loup il bouge plus en fait. Faut que je lui donne une position simplement. Ils sont où les gars? Les gars? Me dis pas que c'est encore bugué. Y'a moyen que ce soit bugué. Tuer les guerriers restant bas, mais. Dommage. Ah, le dernier est là, bougez pas. Bougez pas. Mais qu'est-ce que tu fais toi? Allez meurs. Incroyable. Ça c'est fait. C'était l'assaut des Udam. Les Udam, les grands méchants en tout cas pour le moment. Parce que je sais pas pourquoi mais on va avoir de belles surprises par la suite. Parce qu'ils ont pas l'air très coriaces en réalité. Udam Guanta. Udam Mari. Ul Atik Waifa. Apa Laiwam Haya Shaja Palhu Winja Marirs
Shaja, Palhu Udamari, Winja Baltasha, Guaifamas. Shaus Uz Dawson. Sana quite a shanchi parishai. Salwa Winja Marwa. Machi, Sami Kartichi Napa. Winjai. 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 Ça c'est beau ça. Un village soudé. Les Wenja disparus, appuyez pour ouvrir le menu card. Des Wenja aux compétences uniques ont été aperçus pour la dernière fois dans les régions marquées. Parcourez Oros à la recherche de ces habiles Wenja et ramenez-les dans votre nouveau village. Let's go! Alors, voilà. Ça commence à devenir intéressant. J'ai cru qu'il avait une casquette, le gars. Mais attendez, mais la préhistoire, ils avaient pas autant de flow là. Donc on a Karouche, le guerrier là-haut, à retrouver. On a Uvoga, le fabricant. Et nous avons Jaima, la chasseresse. Oh, bah avec grand plaisir. Est-ce que... Ah non, elle est du côté là, du flanc. J'aurais trop aimé... En fait, j'aimerais trop prendre... Je suis trop curieux. On prendra ce chemin dans le prochain épisode. Hein. Je suis trop curieux là. Hein. Puis il y a un feu de camp de toute façon ici. Très très bien. Ok, bah c'est très intéressant. Eh bien les amis, compétences. On a 4 points de compétences et on a plein de choses de débloquer. Alors, déjà, donc tout ça on a acquis. Hein. Ok. Alors, découverte de ressources. Le bois, la pierre et d'autres ressources apparaissent sur votre mini carte. D'accord. Trouver plus de bois, de pierre à chaque récolte. Moi je vais augmenter mon inventaire. Trouver 2 portions de viande en dépeçant la plupart des animaux. D'accord. Et ça je peux pas tant que j'ai pas le réanimation des bêtes. Apprivoiser des félins. Oh. La chouette peut larguer vos bombes. J'ai pas encore de bombes. Votre chouette exécutera une attaque en piqué. Allez. Des attaques, ça je prends direct. Le temps de récupération de la chouette après une attaque passe de 80 à 65. Et là la chouette peut larguer vos bombes. Et là, ok, tu sais quoi, ça et apprivoiser des félins. Et là mon pote on va se régaler hein. Et en ce qui concerne le village, je vais pouvoir améliorer la grotte de Takar. On va faire ça avant de se quitter. Donc ça va se passer ici je pense. Grotte de Takar. Allez on améliore. On va se faire une belle fiesta là dedans. Ah j'adore. Et j'accepte. Et c'est top. Et ça régale. J'adore ce qui se passe. J'espère que vous aussi. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire qui fait plaisir. J'ai hâte de vous lire encore une fois. Et on se retrouve très vite pour la suite de notre incroyable aventure. C'était Mkolo, plein de bisous. Et ciao tout le monde. T'as kiffé cette vidéo d'Mkolo, alors mets un like. Si tu veux soutenir davantage, écris dans le chat. Ton petit commentaire qui fait plaisir, c'est un pur bonheur. Mets la cache, nouvelle vidéo en ligne à 16h.